Le casier plein, je vais mettre ça dans le tien. Pourquoi tu laisses pas dans ton casier? Vu l'odeur, personne risque de partir avec. Tu trouves qu'il pue? Non, on sent juste le soulier normal, comme tous les souliers. Donc ça te dérange pas que je les mette dans ton casier? Sauf que mon casier est pas mal plein lui aussi. Tu vois qu'il y a de la place? Oui. Bon, je vais revenir les chercher quand j'en aurai besoin. Attention, ils ont coûté cher. Oui, madame. Qui c'est, le cousin de M. Patin? Vous connaissez pas M. Bermuda? C'est un concours de mannequins qui a lieu chaque année au Carrefour de Ville. Puis cette année, on a gagné chez les moins de 18 ans, c'est Hugo Charlebois. Puis pourquoi t'es orange? Tu t'es fait lancer des citrouilles? C'est pour l'auto-bronzant. Ça prend ça pour gagner. Ça, puis des packs d'acier. J'espère qu'ils rouilleront pas. Sais-tu quand tu penses avoir le temps de m'interviewer? T'interviewer, pourquoi? C'est la première fois qu'un gars de Victoire de Marais gagne, M. Bermuda. Tu vas sûrement faire un article là-dessus. Ah ben... Oui, j'aurais vraiment aimé ça, sauf que je peux pas parce que... Moi, on peut pas écrire ton article parce qu'elle a décidé de publier un horoscope à la place. Oh, mon. Ouais, c'est ça. Publier une autre fois votre horoscope? J'ai déjà commencé à l'écrire, puis un horoscope, ça se reporte pas vraiment. C'est quoi, votre horoscope? Je suis bélier. Bélier. Ça te dit quoi, bélier, déjà? Bélier, ça te dit. Belle! Non, mais on ne peut pas te dire tout de suite, il ira l'horoscope, comme tout le monde. Tu composes l'horoscope? C'est une excuse pour ne pas faire l'article sur moi, parce que ça a déjà une interview une vedette. Non, je crois l'horoscope. Je lui mets tous les jours. Quoi? Les racines aux affaires scientifiques. OK. Si Maud réussit à trouver que les horoscopes, c'est scientifique, est-ce que tu vas arrêter de lui parler de ton article sur M. Bermuda? OK. Il y a une condition. Si tu réussis pas, M. Bermuda va faire la une du journal. La une? Ouais, ça veut dire la première page, là. Ben oui, on sait. Marché conclu. M. Bermuda en première page de la victoire. Ça, c'est vraiment big. C'est cool. Hein? Tu lui as promis ça? Mais là, c'est la première chose qui est venue en tête, là. C'était à toi de dire que ça intéresse pas nos lecteurs de lire comment la face d'Hugo est devenue un gâteau aux carottes. Oh, c'est bien trop bête. En plus, Audrey m'en veut encore d'avoir comparé Hugo à un homme des cavernes au cours de Madame Mélanie. Si elle apprend que j'ai refusé son idée d'article parce que je trouvais ça trop nono, elle va vraiment pas le digérer. Pour les natifs du taureau comme moi, la journée risque d'être très longue. Marco, t'aurais pu faire attention, là. T'as tout écrasé mes affaires avec tes souliers. Oh, wesh, ça pue. Normal, c'est pas des fleurs, c'est des souliers. Non, c'est ça dehors. Puis de toute façon, t'as même pas besoin de deux paires de souliers. Yo, toi aussi, tu prends la place dans le casier. Mais moi, au moins, mes affaires sont pas la moufette qui a mangé des œufs pourris. OK. Wow, c'est du service, ça. Je viens justement les chercher. C'est tes souliers. Non, c'est un piano. Bon, je te ramène après mon cours de duc. C'est mon casier? T'as pas d'affaires à mettre tes affaires là-dedans. C'est aussi le casier de Marc-Olivier. Puis il est d'accord, lui. Comment ça, tu as donné la permission de mettre ses souliers ici? Je lui rends service, il n'y a plus de place dans son casier. Tu lui rends service ou t'obliges? Il m'oblige pas vraiment. Regarde, de toute façon, là, c'est juste des souliers. C'est pas juste des souliers, là, c'est des bombes puantes.
Puis si tu le laisses faire, il va toujours te niaiser. Arrête ça avant que ça aille trop loin. Pas besoin, là. Tout est beau, là. Non. C'est pas vrai qu'il va continuer à mettre ses cochonneries dans mon casier. Si tu veux pas te défendre, je vais le faire. Que tu le veuilles ou non. Ouais, je pense que t'as voulu faire un peu trop vite, hein? Tu réviseras les exercices 4 et 5. Je suis fatiguée, Madame Mélanie, là. Je vais les faire ce soir. Si t'es fatiguée, tu serais peut-être te coucher un peu plus tôt. Ah, je sais, mais c'est parce que je suis pas capable de m'arrêter d'étudier. C'est pas drôle, ça, hein? Hey, Maude! Bienvenue dans le GQ. Salut. En passant, j'ai enfin su le DVD sur Athènes dont je t'avais parlé. Cool! On va le regarder au prochain cours? Oui. Génial, je vais en profiter pour faire une sieste. Pardon? Le retour des zombies 3, là, ça aurait été bien meilleur. Oui, le 3 est bon, mais j'ai préféré le premier. Tu vas voir, il est très intéressant, mon documentaire. Il est sûrement plus instructif. Instructif? Ouais. C'est un beau mot pour dire plate, ça. Non, c'est surtout un beau mot pour dire qu'il va y avoir un examen après le film. Oh, trop poche. On peut jamais avoir de fun. Hey, même quand on écoute un film, ça fait suer. En tout cas, je te conseille de pas dormir. Sauf si tu veux venir reprendre ton examen en récupération. Hey, Maud, je suis surprise de te voir ici. Ouais, ça c'est si on fait l'examen. Est-ce que je peux t'aider? Merci, mais j'ai pas vraiment besoin de récupération. Ben oui, c'est ce que je me disais. Je suis aux toilettes. OK. Les horoscopes. Je savais pas que tu t'intéressais à l'astrologie. Moi non plus. Peut-être une partie qui va t'intéresser dans mon documentaire. Tu sais que dans l'Antiquité grecque, l'astrologie a servi à établir les fondements de la médecine. Oh ouais. Ouais? Quand il avait mal à la gorge, ils lisaient leur horoscope. Les poissons, prenez une pastille, ça va passer. Non, je pense pas que les pastilles existaient dans ce temps-là, mais disons qu'on s'intéressait aux astres pour expliquer certains comportements ou certains événements. Ça veut dire que les horoscopes, ça a déjà été une science? Hey, Hugo va capoter! Lui, il va croire que l'astrologie, ça m'intéresse pour vrai. C'est tout ce qu'il me fallait pour pas écrire un article sur ses pectoraux. Oh! J'ai eu l'idée. C'est écrit un article sur moi. Je pourrais orthographier toutes les copies du journal. Tu pourrais les vendre deux fois plus cher. Autographier. Ouais, c'est ça. Bel essai, Hugo, mais le journal est gratuit. Et malheureusement pour toi, j'ai la preuve que l'horoscope, c'était une science dans le temps de l'Antiquité grecque. Il pensait aussi que le Canada était en Inde, hein? T'es un peu mélangé en histoire. Je pense pas, moi. Puis c'est une science. C'est au passé. Aujourd'hui, est-ce que l'horoscope, c'est encore une science? Moyen. Oh, pas vraiment. J'ai hâte de lire l'article que tu vas écrire sur moi. Des affaires, je mets quelque chose dans le casier à Marco. Ça s'adonne que le casier à Marco, c'est aussi le mien. Il t'a donné la combinaison? Ben oui, il est correct, lui. Ce que tu fais à Marco, là, c'est de l'intimidation. Bon, les grands mots. Tu connais pas ça, rendre service? T'es mieux de pas voir de chez mes affaires. Inquiète-toi pas, les affaires plus tôt. C'est tes souliers qui ont tout empêché. Ça veut pas? Non, tant que Marco parlera pas avant la nuit, là, il va continuer à mettre ses cochonneries dans mon casier. Jennifer, j'ai pris une grande décision. Quoi? Je vais dire la vérité à Hugo. Je propose l'horoscope, puis son histoire de M. Bermuda, ça m'intéresse pas. J'aimerais ça que Marco fasse comme toi, puis qu'il dise sa façon de penser à Brandon Lee. Qu'est-ce que tu fais avec ça, c'est Madame Mélanie? Comment ça, Madame Mélanie? Ben, il nous l'a monté tantôt en local de récup. Est-ce que Brandon Lee est en récup? Ouais. Il arrêtait pas de chialer contre le test sur le film que Madame Lani veut nous faire passer. Donc, il l'a volé? Lui, là, ça se passera pas comme ça. Hey,
était dans notre casier, c'est un cadeau de Brennelly. Il l'a volé à Mme Mélanie. T'es sûr? Ben, la seule personne qui a notre combinaison de casier, c'est lui. Hein? Pourquoi tu l'as donné? Ça peut être pratique si on l'oublie. Peut-être que c'est Mme Mélanie qui a demandé de la garder. Arrête de le défendre. Je t'avais averti pour Brennelly, là. Faut pas que tu te laisses faire. Chut. Tu veux pas y parler, là? Je vais le faire. OK, j'y vais. Mais là, je peux pas tout de suite, mais j'ai l'habitude. Hey, salut! Des riz. Quoi? Quelques gâteaux cet après-midi? Des coplates, pourquoi? Pas pour savoir, moi j'ai en plastique, mat. Parle-lui. Cool, donc tu te fais bosser par une fille. Mais non, voyons non. Bon, c'est pas que c'est plate, en fait. Oui, c'est plate. On revient voir quand t'auras quelque chose d'intéressant. C'est bon! Il va en parler à Mme Mélanie? Elle est un peu paniquée. Elle n'avait pas peur, elle ne sera pas fâchée. C'est pas toi le voleur. Hey, bonjour Marco. Est-ce que je peux vous parler? Oui, entre, je suis à toi dans 2 minutes. C'est pas grave, je parlerai une autre fois. Deux minutes? Chose que tu comprends pas, je peux t'aider. Ça va, merci. C'est quoi ça? Non, rien. Tu veux pas me dénoncer, hein? Des amis, ça se stoule pas. Si tu voles. Oh, les gros mots, là. Jennifer, que t'as mis ça en tête. Hey! T'as fouillé dans mes affaires? Non, il était. Sur le bureau. Ah, c'est vrai, mon ami Marco aussi trouve ça nul qu'on fasse un test sur le film. Hein, Marco? Ouais, nul. Parce que je l'ai déjà vu. Ouais, j'aimerais ça qu'on écoute un autre documentaire. Ah. Est-ce que je peux m'en aller? T'as pas des exercices à faire, toi? Marco va m'aider. Les amis, ça sert à ça. Les amis. On y va, Marco? Ouais. D'odeur? Ah, quelqu'un prend notre casier pour une poubelle. Ah, je savais pas que Marc-Olivier avait des problèmes. Non, c'est pas Marco. Il vous en a pas parlé? À quel sujet? Ben, le DVD, Brennelly. Non. Est-ce que Brennelly embête Marc-Olivier? Non. Non, ça va. Jennifer, tu sais que la meilleure façon de régler un problème, c'est de m'en parler. Ouais, je sais. Ah oui. T'es sûr? Oui. Bonne journée. Je fais plus que tu l'écrives. Hein? T'avais raison, mon horoscope, c'est vraiment hot. J'ai le mien. Les béliers, foncez, repoussez vos limites. Je l'ai écouté. J'ai écrit mon article tout seul. J'ai repoussé mes limites. Hugo Charlebois a soulevé la foule en délire. Ben, pas soulevé. Levé dans les airs, même s'il pourrait le faire les doigts dans le nez, mais pas les doigts dans le nez pour vrai, parce qu'il pouvait pas se servir de ses mains pour soulever la foule. Puis je pensais freiner mon article par. C'était Hugo Charlebois en direct de l'école. Toutes les journalistes disent ça aux nouvelles. Ah, la télé est pas dans le journal. Il reste juste un imprimé. Écoute, c'est super intéressant. Mais. Il y a trop de mots. Aucun problème, hein?
Je vais le raccourcir. Tu la gratteras pas. Je veux que t'écrives un méga dossier choc sur l'intimidation. Pourquoi? Parce que je veux que tout le monde sache que Brandon y fait vivre à Marco. Marco? Puis il est d'accord? Ben, je suppose. Aimerais-tu que ta vie personnelle se retrouve dans le journal? Tu s'entends encore? Non, personne n'aimerait ça. À part lui. Oublie dossier choc, j'ai une bien meilleure idée pour aider Marco. Allô, Hugo, ça va? T'écris quoi, un article? Ouais. T'as-tu encore des photos de M. Bermuda? J'en ai plein. À quel nom l'orthographe? Quoi? Ben, écris mon nom de sa photo, là. Ah non, ça va, merci. Hugo écrit pour le journal, maintenant. Je suis capable de lui dire non. Comme Marco. Il est beau, hein? Pour l'article, il est trop bon. Il est sacoche. Tu veux vraiment que toute l'école soit au courant que t'as gagné M. Bermuda? Ouais? T'as-tu peur que les autres gars soient jaloux? Je te sens pas, je t'habitue. T'as pas plus peur qu'ils niaisent? Si tu fais bien des push-up, là, dans une couple d'années, il y a personne qui va te niaiser. Si je veux que Brandon arrête de niaiser là, là, qu'est-ce que je fais? C'est lui ton problème? J'ai une idée. S'il voit que tu me fais une prise de lutte, ça l'impressionnerait? Hein? Moi, je serais jamais capable. Arrête de niaiser, là, ouais. Pogne mon bras, là. Lève-le, lève-le. Gêne-toi pas. Fais-toi, pas passe. Aïe, aïe! Qu'est-ce que vous pensez? Excusez-moi. Non, je fais semblant. Inquiétez-vous pas, madame, là. C'est pour l'aider. Il y a un gars qui l'a cœur. Mais c'est pas en utilisant la force que tu vas régler ton problème. Tu lises pas à force, madame, il n'a pas. Hey, je prête ton garde du corps? Non, non, il y a personne qui va jouer au garde du corps. Utiliser la force pour se faire justice soi-même, là, ça donne rien de bon. Hugo, peux-tu... Merci. Assieds-toi. C'est Brandon Lee qui t'embête? Il m'embête pas vraiment. C'est juste pour rire. Ah oui, je suis certaine que ça le fait rire, lui. Mais toi? Ok, mes yeux sur les plis. Ça va enfin servir à quelque chose. J'aimerais ça avoir ton autographe. Ah, pas de problème. Ça fait partie de la description de tâche de vedette. Ah ouais? Puis avoir la tête enflée, est-ce que ça fait aussi de votre description de tâche? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Non, mais correct, ta tête. Ah, mais c'est pas pour vendre sur eBay, hein? Les collectionneurs, là, ils trippent ces autographes de vedette. Ah oh, ben non, mais non. Inquiète pas pour ça, là. Ben, voyons, elle est où, là? Ma photo? Est-ce que c'est l'esprit à Marco, là? Non, c'est sur Brandon Lee. Je suis sûre qu'elle fait exprès, là. Brandon Lee n'aurait pas dû s'en prendre à M. Bermuda. Tu vas te venger? Je vais faire mieux que ça. Je vais pas te laisser faire, toi aussi. T'as rien à craindre. Tout le monde est avec toi. Hugo, Jennifer. Et moi aussi, je vais t'aider. Mais il manque juste une personne. Moi? Ben, si je dis rien, Brandon Lee, il va finir par cette année. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Aujourd'hui, t'as rien dit, puis est-ce qu'il s'est tanné? C'est quoi la joke? Pourquoi tu utilises ma force pour l'amener ici, madame, je vous jure? T'as dit que tu voulais me faire passer un test pour l'équipe de foot? C'était une ruse. Puis il a fait exprès pour briser ma photo dans le casier de Marco. Ben quoi tu parles, la carotte? Brandon Lee. Hugo,
Je n'avais pas vu ta photo. Marco me prête sa casse, ça le dérange pas. Hein, Marco? Oui. Oui, ça me dérange. Je veux que t'enlèves tes affaires dans mon casier. T'avais juste à le dire. Hugo, merci. Ici, l'intimidation, c'est tolérance zéro. C'est pas de l'intimidation, là. Pas besoin de capoter. Je vais les enlever, mes affaires, là. Franchement, c'est juste des jokes. Le problème avec tes jokes, c'est que juste toi qui ris. Si tu recommences, c'est pas compliqué. La direction va devoir rencontrer tes parents. Juste pour un casier? Oui, juste pour un casier. Correct, j'ai compris. Oh. Là, tu vas réparer le tort que t'as causé à Marco. Comme ça, si le dé te prend de recommencer, ben, tu vas y penser à deux fois. Comment? Ben, proposez-moi quelque chose. Hugo! Hugo, je suis comme Marco. Quoi? Anne-Denis, t'es cœur, toi aussi? C'est pas Anne-Denis mon problème, c'est toi. Je t'ai intimidé? Non, c'est pas ça, c'est Monsieur Bermuda. Monsieur Bermuda t'a intimidé? C'est l'article pour le journal Hugo. J'écrirai pas d'horoscope, puis j'écrirai pas d'article sur Monsieur Bermuda. Oh non. Quoi? Parce que je trouve pas ça super intéressant. Puis aussi parce que j'ai peur qu'il y ait des morons dans l'école qui en profitent pour rire de toi. Tu m'en veux pas? Non. Parce que j'ai déjà trouvé une solution. Qu'est-ce qu'il vaut un article de 1000 mots? Une image? Ouais, OK. On va la publier. Mais seulement pour inciter les élèves à mettre de la crème solaire puis à pas trop mettre de crème auto-bronzante. Mannequin de crème solaire. Ça me va bien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas voir. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, lui? Viens réparer son dégât. N'oublie pas, hein? Faut plus que ça soit étiqué. T'as jamais vu ça, quelqu'un qui lave un casier? J'avais jamais pensé que mon plan marcherait autant. Quel plan? Ouais, quel plan? Non, rien. OK, ben je vais superviser le nettoyage. Allez m'attendre dans la salle de récupération. Je vais aller vous chercher quand ça va être fini. C'est bon? Et on fera un petit bilan de tout ça? Quoi ton plan? J'ai envoyé Hugo y parler dans le casque. C'est pas ça qui a marché? Non, c'est quoi d'abord? Ben, je lui ai dit que ça me dérangeait qu'il s'installe dans mon casier. Et depuis le début de la journée que je t'ai dit de faire ça? Ouais, la prochaine fois, hein, j'attendrai pas. Si quelque chose me dérange, je vais le dire. Puis sinon, je vais en parler à un prof. Ouais, au moins notre casque va être propre. Hein? Ouais, ouais. Est-ce que ça te dérangerait de prendre ça? Non, non. Puis ça aussi, c'était plus. Bon, là, c'est assez, là. Tu me prends pour ton serviteur, puis ça, ben, j'aime pas ça. Non, c'est juste pour te tester. Je suis contente que tu t'affirmes. Ben, reprends tes affaires, là. Sinon. Sinon quoi? Tu vas verser à Mme Milani? Non, je vais te faire laver la case de Brenda Denis. Salut les Cibito! Pour jouer ou revoir des émissions, visitez notre site.